Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de 13 Inside en présence de Laurence Arribagé de la mairie de Toulouse. Et nous sommes en direct du stade Arlonnais des Minima pour un match délocalisé. Laurence, on est très ravis de vous accueillir aujourd'hui dans notre stade emblématique pour la DER du championnat parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby en France et plus particulièrement chez nous à Toulouse, puisqu'on peut se dire qu'on est la capitale du rugby. Voilà. Que pouvez-vous nous dire sur le soutien de la mairie et l'historique de la mairie et du rugby à Toulouse ? Merci, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bah, écoutez, ravi d'être ici, Arnonnet. Un retour aux sources ici dans le stade emblématique des Minimes. Un retour aux sources, pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, Toulouse, c'est la capitale du rugby et en ce moment des rugby. Puisque je suis ici, je vais donner le coup d'envoi dans quelques minutes pour ce dernier match à domicile de la saison régulière, en espérant évidemment une victoire du Théo face à Featherstone. Dans quelques semaines, on se retrouvera au stade Ernest Vallon, puisque le stade Ernest Vallon, vous le savez, est occupé en ce moment, puisqu'il est camp de base des Japonais, parce que vous l'avez dit, on accueille 5 matchs de la Coupe du Monde de rugby ici à Toulouse. On en est très fiers, mais on est très fiers de soutenir le 13, le 15, tous les clubs de rugby amateurs de la ville de Toulouse, d'être le partenaire principal du Théo, major partenaire, comme on dit. Et je suis là pour évidemment supporter le Théo, espérer passer les demi dans quelques jours et pourquoi pas retrouver Featherstone, le candidat du jour, en finale pour une accession en Super League. En tous les cas, c'est tout le bien que je souhaite à ce club. Et la ville de Toulouse est derrière ce club. Merci Laurence en tout cas, et puis on se dit à bientôt. On se dit à bientôt et bon match. Le retour, il est assez simple. Hein. On jouait aujourd'hui le premier du championnat. On savait que ça allait être un match engagé. On avait eu une victoire à l'extérieur. Et on savait que Featherstone venait ici un peu revanchard. Ils avaient aligné une équipe type pour essayer de venir chercher le score. Et bon, c'est chose faite pour eux, donc c'est très bien. Félicitations. L'objectif, il est clair. Hein. On a travaillé dur tout le long de la saison pour obtenir cette place en demi-finale, donc qui se jouera à la maison à Ernest. Donc l'objectif, il est clair, hein, c'est de remporter ce match. On va travailler dur. Là, il nous reste un match à l'extérieur, un déplacement à Whitehaven, pour ensuite aller chercher la victoire à la demi. Les garçons sont vraiment conscients de l'enjeu. Tout le club va être derrière l'équipe pour justement obtenir cette place en finale. Donc, ce sera vraiment l'objectif prioritaire là, dans les prochains jours.